Québec a annoncé un investissement de 514 millions de dollars pour l'installation de plus de 117 000 bornes pour permettre la recharge de véhicules électriques. On en parle aujourd'hui avec notre invité, Jesse Caron, qui est expert automobile pour CAA Québec. Monsieur Caron, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre le temps de nous éclairer aujourd'hui sur les véhicules électriques. Est-ce que l'annonce du gouvernement aujourd'hui, c'est bien de faire tomber une barrière un peu au Québec? Bien, disons que si elle tombe pas, elle va s'abaisser considérablement, cette barrière-là. C'en est une, hein, il faut le dire. Les personnes qui habitent dans des complexes à plusieurs logements, elles sont nombreuses et c'est une question qui nous revient souvent. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour pouvoir brancher nos véhicules électriques? Mmh. Alors, cette aide financière-là devrait certainement aider. C'est un beau jalon. Il va falloir ensuite penser aux gens qui habitent plus au cœur des villes, peut-être dans des triplex. Hein. Il y a plusieurs vieux bâtiments. On pense au Plateau, à Rosemont, à Limoilou, à Québec, tout ça. Donc, il y aura quand même plusieurs personnes qui devront stationneront encore dans la rue et qui devront trouver une façon de brancher leur véhicule le plus économiquement possible. Mais en même temps, on sait qu'à partir de 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules neufs à essence, mais il va rester des véhicules à essence quand même. Donc, le fait que qu'on pose cette première pierre, cette pierre-là supplémentaire, sera certainement suivie d'autres initiatives qui, graduellement, pourront améliorer la situation pour toutes ces personnes-là. Parce que, justement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut avoir un véhicule électrique sans nécessairement avoir de borne à la maison? C'est possible. Ça se fait. C'est plus compliqué, par exemple. Hein. Premièrement, la recharge à la maison, c'est la plus économique. C'est celle qui nous permet de rentabiliser le plus rapidement possible l'achat d'un véhicule électrique. Ensuite, quand on n'a pas de borne à la maison, ça veut dire qu'il faut se fier au réseau public. Il y aura de plus en plus de bornes de niveau 2, les bornes qui coûtent le moins cher là, dans le réseau public. Mm-hmm. Mais quand même, il faut pouvoir se rendre à ces bornes-là. Il faut s'assurer qu'elles soient libres, qu'elles soient en bon état de fonctionnement. Il faut aussi pouvoir calculer le temps avec lequel on va laisser le véhicule sur la borne. Alors, tout ça, c'est présentement des complications, mais on verra qu'avec plus de bornes, ça devrait aider de toute façon. Bon, parlons d'investissement ensemble. Installer une borne chez nous, ça coûte combien? La borne elle-même là, va coûter de 800 à 1 500 environ, selon les options qu'elle comporte, pardon, si on veut pouvoir consulter, par exemple, les données en Wi-Fi. Une borne aussi, on veut qu'elle soit de bonne qualité, avec un boîtier solide, un câble bien flexible. Ça coûte plus cher de privilégier des bornes qui sont conçues pour notre climat, et c'est toujours ce qu'on devrait faire. Ensuite, il faut faire installer cette borne-là par un maître électricien. Ça prend absolument cette certification-là pour avoir droit à la subvention actuellement qui est de 600 $ pour la pose d'une borne à domicile, une subvention du gouvernement du Québec. Puis aussi pour la sécurité, c'est très important. Oui. Ce qui va venir faire changer ou varier le coût de cette installation-là, par exemple, c'est la longueur du câble qui est requise, c'est l'installation électrique, s'il faut la mettre à niveau, ça pourrait coûter plus cher. Parfois, oui, il faut percer le mur de fondation. Donc, il y a divers facteurs, mais l'installation va certainement ajouter peut-être un 1 000 $, 1 500 $, peut-être un peu moins, ça dépend. Ça, il faut vraiment vérifier avec un professionnel. Bon, M. Caron, maintenant, quand on parle d'investissement, on parle évidemment du véhicule. Ça prend combien de temps pour rentabiliser notre investissement? Bon, bien là, ça dépend. Plus on roule avec un véhicule électrique, plus on le rentabilise rapidement. Parce que, vous savez, il y a encore un écart de prix qui rend les véhicules électriques plus chers que leurs équivalents essence. Par exemple, pour un Hyundai Kona électrique en 2023, ce véhicule-là coûte environ 5 000 de plus que son équivalent à essence avec un équipement similaire. Avec des petits calculs qu'on a faits, on se rend compte que ça peut prendre, si on roule 20 000 km par année, 2 ans environ, parce que le coût de l'énergie est environ 10 % de celui qu'on va mettre en essence dans le véhicule à moteur thermique. Mais si on roule seulement 10 000 km par année, à ce moment-là, ça prendrait 2 fois plus de temps pour rentabiliser le véhicule. Ça ne tient pas compte des frais d'intérêt, ça ne tient pas compte des économies d'entretien qu'on fait. Donc, on pourrait aller plus loin dans le calcul, mais simplement, à la base, c'est très facile de comprendre que plus on roule, plus on va venir absorber cet écart-là dans notre mensualité rapidement. Merci, M. Caron, pour cet éclairage. Je pense que ça me donne un portrait vraiment de la situation. Mais si vous avez encore quelques minutes, je vous garderai avec nous parce qu'au retour de la pause, on va répondre aux questions du public. On a besoin de votre expertise. Avec plaisir. Enfin, merci, à tout de suite.